Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo annexe sur le magnifique The Witcher. On se retrouve pour le boss le Boucanier, un boss optionnel. Vous n'êtes pas du tout obligé de l'affronter. Ce boss vous permettra de choper 850 orins et surtout la première météorite jaune du jeu, ce qui est relativement intéressant et sympa. Toutefois, et ça, sachez-le, ça vous fera louper certaines choses de l'histoire, vous fera gagner moins d'XP. Donc voilà, il y a quelques petits bonus, mais quelques petits malus. Donc moi, je ne vous le recommande pas, sauf si, comme moi, vous comptez faire deux runs. Et donc, dans ce cas-là, il y aura un choix que vous changerez lors de votre deuxième run. Donc moi, je vais vous présenter le combat et surtout comment pouvoir attaquer le boucanier. Parce que moi, lorsque la première fois j'ai essayé de l'affronter, je ne pouvais pas l'attaquer, je ne comprenais pas pourquoi. Donc tout d'abord, la première chose à savoir, c'est que si jamais vous tuez le boucanier, vous ne pourrez pas choper la météorite rouge qui se trouve dans la crypte du cimetière. Et ça, c'est important à savoir. Et donc, il y a certains personnages que vous serez obligé d'innocenter autrement. Donc, vous avez sûrement remarqué que les quêtes du chapitre 2, vous avez beaucoup de quêtes de suspects. Il vous faudra la quête suspect, le boucanier. Et donc, vous vous rappelez quand vous avez fait l'autopsie du bandit qui se trouvait à l'hôpital de l'Ebioda, il faut que toute l'autopsie montre que justement le boucanier soit le criminel. Donc vous faites une sauvegarde avant l'autopsie et vous faites en sorte que tous les indices mènent vers lui. Et à la fin de l'autopsie, normalement, vous aurez un truc suspect, le boucanier, je dois aller parler avec le boucanier, c'est lui le coupable, les morts ne mentent pas. En gros, voilà, c'est ça. Et donc, quand vous allez aller lui parler, vous allez voir ce qui va s'enclencher. Donc c'est parti. Donc là, il dort, on en profite vite fait, on va aller lui parler. Donc vous voulez la vérité sur la salamande, vous travaillez pour hasard. Donc machin, vous passez les enfin, vous lisez les dialogues si ça vous intéresse. Je vais attendre un meilleur moment pour me charger du boucanier. À ce moment-là, moi je me dis, mais qu'est-ce qu'il attend? Il est minuit, le mec il dort, juste à lui planter une dague et c'est fini. Mais non, il va falloir faire quelques petits trucs avant, il va falloir aller parler au détective et donc lui balancer les preuves en question. Et donc vous pourrez ensuite vous attaquer au boucanier. Alors vous pouvez le faire de jour comme de nuit, ça ne change strictement à rien du tout. Et il y a quelques petites infos à connaître sur le boucanier. Au moment où vous allez l'attaquer, tous ces gardes du corps vont se jeter sur vous et il y en a un beau paquet. Je dirais une petite dizaine grand maximum, et ce qui est déjà relativement pas mal. Et donc il va falloir faire très très attention, d'où l'utilité d'avoir un élixir hirondelle pour remonter votre vie pendant plein combat et un élixir blizzard pour améliorer les chances de parade et d'esquive. Ça vous permettra d'esquiver la plupart des coups que vous allez vous manger. Donc attendez la fin du chapitre pour faire ça. Donc j'ai les résultats de l'autopsie, c'était les hommes de Boucanier. Vous pouvez accuser Kalkstein aussi. Mais je ne vous conseille surtout pas de faire ça. Il faut accuser le Boucanier, c'est lui. Enfin, Kalkstein, vous ne pourrez pas le tuer de toute façon. Donc vaut mieux accuser le Boucanier. Donc là, je passe les dialogues pour gagner un petit peu de temps. Vous voyez, vous redescendez. Donc ce qui fait, il faut que le détective digère les informations, vous remontez. Et là, hop, on va se rediriger vers lui, vous lui reparlez. Ah non, ok, bon, il faut sortir de sa maison, j'avais oublié. Vous voyez, c'est tout ce genre de petits détails avec The Witcher qui sont toujours assez compliqués. Il faut sortir de la maison, revenir à une certaine heure. C'est vraiment pas facile, que ce soit à présenter ou même juste d'en parler. Il y a certains personnages pour certaines quêtes qui se trouvent qu'à une certaine heure, à un certain moment. Donc voilà, c'est parfois assez compliqué, je vous l'avoue. Donc ici, nous avons donc notre aimant, je pense que c'est bon. Voilà. Vous voyez, il suffit juste de sortir. Donc, on tend un piège. Je suis prêt à m'occuper de Boucanier. Il faudra le tuer. Ça ne sera pas facile. Et voilà. Et à partir de ce moment-là, je dois éliminer le Boucanier. Vous pouvez y aller. Donc à ce moment-là, avant de le tuer, parce que je crois que c'est au moment que vous le tuez que ça enclenche le truc, il faut absolument que vous essayiez d'entrer dans le cimetière. Si au moins vous voulez avoir accès au cimetière. Mais bon voilà, dans tous les cas, au moment où vous allez le tuer, ça va faire disparaître les preuves qui se trouvent dans la crypte, mais vous y aurez quand même accès si jamais vous avez la clé. Donc on se rend chez lui. Donc normalement le combat se déroule très bien avec les élixirs en question. Alors attendez, parce que je vois même pas où se trouve la porte. Même avec la touche Alt, on n'y est pas loin normalement. Là en plus il fait. Voilà, là il fait nuit, donc je ne vois pas grand-chose. Ici, donc on avance. N'hésitez d'ailleurs pas, parce que je trouve que la luminosité du jeu est très faible, à augmenter la luminosité dans les réglages quand vous êtes en plein écran. Donc vous avez le boucanier, vous pouvez lui parler, comme vous pouvez le constater. Mais notre objectif maintenant, c'est de sortir notre arme. Donc prenez votre arme en acier, c'est très important. Mettez-vous en style de groupe. Vous allez enclencher l'élixir hirondelle avant d'enclencher le combat. Donc là, vous êtes prêt à l'attaquer, hein, vous voyez, ça commence.
Et au moment où le combat va, enfin avant de lancer le combat, quand vous êtes en face du boucanier, hop, vous lancez l'élixir bizarre. Donc là, ça va se mettre au ralenti. Et vous enchaînez directement, tout d'abord, ouais, des attaques lourdes sur le boucanier seul. Des attaques lourdes. Hop. Là, regardez, la porte là-bas va s'ouvrir et là, va se ruer sur vous une quantité absolument astronomique de gardes et de restes. Donc là, hop, dernier coup, on passe en mode de groupe et là, on frappe le boucanier. Et là, vous allez faire des dégâts monstrueux à tout le monde. Voilà. Et vous essayez d'enchaîner un maximum d'attaques. Alors, une information intéressante, parce que moi, je suis quand même en difficile et vous voyez que ça passe très très facilement. Pour ceux qui ont beaucoup de mal, sachez que tant que vous ne frappez pas en physique avec une arme, le boucanier, les gardes n'apparaissent pas. En gros, ce que je veux vous dire par là, c'est que vous pouvez le tuer uniquement avec de la magie. Si vous le tuez avec de la magie, les gardes n'apparaissent pas. Et ça, c'est très intéressant à noter. Donc, vous pouvez le tuer du coup seul. Donc, ça, c'est parfait. Donc voilà, on en tue quelques-uns. Vous voyez que là, il y en a encore un petit paquet quand même. Et qu'on a perdu la moitié de notre vie. On essaye d'enchaîner quelques coups supplémentaires. Voilà, on descend le reste. Il en reste plus que deux. Nickel, le dernier. Donc, vous voyez, au ralenti, ça passe très bien. De toute façon, le combo absolu pour ce genre de fight, hein, c'est bien évidemment le combo Blizzard-Hirondelle. Ça fait très mal. Donc, on se dirige vers le corps du boucanier qui est juste là. Enfin, en tout cas, ce qu'il en reste à présent. Nickel. Et là, vous voyez 860 orins et la première météorite jaune qui vous permettra dégâts plus 20%. Et en cas de coup critique, vous pouvez étourdir et mettre un coup précis pour, à 30%. Donc, c'est vraiment une très très bonne météorite. En plus, vous faites un anneau d'or que vous pourrez revendre encore quelques orins, une flasque de liqueur et en plus de ça, de l'ambre. Voilà, la totale. Donc, vraiment des trucs très intéressants sur le boucanier. Donc, voilà, mais ça vous supprime quelques petits trucs, mais en même temps, voilà, vous avez également plein de trucs à ramasser sur les cadavres, hein, de l'argent, des armes, des silex, etc., de l'alcool, plein de trucs. Donc, voilà, c'est la fin de cette petite vidéo sur ce boss supplémentaire et surtout sur la rune jaune que vous pouvez choper. Dans ce chapitre, si vous avez des questions, quoi que ce soit, vous n'hésitez surtout pas à m'en faire part, j'y répondrai avec plaisir. Et sur ce, à tout de suite pour une nouvelle vidéo sur The Witcher 1.